Bonjour à tous, on est au mois de mars. Voici venu le temps de reprendre le jardinage. Donc, je suis dans un hypermarché, voilà, l'offre des plants et semis, des pommes de terre, des oignons, pas mal de choses. Voilà. Vous reconnaissez l'hypermarché, mais vous pouvez trouver aussi dans plusieurs jardinières à proximité. D'autres ou bien d'autres supermarchés. Là, on a les plants qui sont prêts à planter. Voilà, romarin, thym, litchi, fraise. C'est un peu tôt pour les mettre directement à l'extérieur, mais ça dépend des régions. Voilà, mais les prix sont vraiment abordables par rapport à l'an dernier. Là aussi, j'attire votre attention sur les semis, sur le terreau de semis. C'est là où je trouve vraiment la meilleure offre. Voilà. J'en ai acheté 3 sacs pour 7 euros. Des sacs de 20 litres. En général, le terreau de semis coûte plus cher et en petite quantité. Là, il y a une large gamme aussi de terreau universel. Terreau mélangé avec du fumier, voilà, on trouve vraiment le choix. Voilà, c'est fumier de cheval. Voilà. Ça dépend de la quantité et la qualité aussi. Et après, juste à côté, toutes sortes de semis, que ce soit pour les fleurs, ou bien légumes. Voilà. Un large choix aussi. Et les prix varient selon la qualité aussi. Là, on passe au plan, les arbres fruitiers ou bien de décoration. Il y a aussi un large choix. Soit des palmiers, pommiers, poires, large choix. Non. Et là, on arrive vers les oliviers. Il y en a ceux qui portent même des fruits. Comme quoi, ce n'est pas seulement décoration, on peut même faire une petite récolte. Voilà. Le prix varie. Là, par exemple, pour celui-là, il est dans la centaine d'euros. Mais on peut trouver moins cher, ça dépend de la taille et de la qualité. C'est à partir de 20 euros en général. Et ça peut atteindre les 400 euros ou bien plus. Cette variété un peu intéressante. Et après, dans le magasin aussi, on trouve tout ce qu'on aura besoin pour le paillage, rouleaux en plastique ou bien outils pour désherbage et vos moteurs quilter, les outils d'arrosage manuel ou bien électrique, et toutes les accessoires qu'on aura besoin aussi, les outils. Pas mal sortes d'outils. Moi, j'ai acheté l'an dernier une grelinette pour faire mes travaux manuellement. Et c'était vraiment un prix cassé, 24 euros. Alors que des fois, on la trouve à 60 et plus. Et là, c'est les pots. Toutes sortes de pots aussi. C'est porc. Et je trouve cet outil aussi très intéressant. Ça permet de creuser et de couper aussi en même temps. Et c'est un outil très très solide. Ça tient longtemps. Voilà. Moi je l'utilise souvent, ça m'aide beaucoup. Ça réduit le temps de travail par l'efficacité. Voilà. Et là c'est les serres, toutes sortes de serres. Les carrés potagers aussi,
bien préparé, après les servir dans après. Après, on peut les fabriquer soi-même avec des palettes. Et là, c'est les serres. Là, celle-là, elle est vraiment moins chère pour protéger en général les pots ou bien les petits carrés potagers. Là, c'est le mini-serre pour faire les semis à différentes sortes. Voilà. Voilà un exemple d'utilisation. Voilà aussi une mini-serre tunnel. Aussi les décorations jardin à un prix très raisonnable. Je m'y attendais pas. Ils sont en métal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos sur comment faire des semis de tomates, poivrons, aubergines et autres légumes. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner si c'est parce que prochainement je vais faire des vidéos directement sur le potager, sur le terrain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Au revoir.